En Formule 1, à l'issue du Grand Prix d'Allemagne, 11e manche de la saison, le Britannique Lewis Hamilton s'impose au terme d'une course folle. Alors que le local de l'étape Sébastien Vettel sur Ferrari parti en pole position a dominé les trois quarts de la course, la pluie qui s'est invitée sur le circuit lui a fait faire une sortie de route et l'a contraint à abandonner. Au final, Lewis Hamilton, pourtant parti 15e, remporte la course, suivi de son coéquipier de chez Mercedes, Valtteri Bottas. La très mauvaise opération du jour est pour l'Allemand Sébastien Vettel qui perd la tête du classement mondial des pilotes au profit de Lewis Hamilton. Double peine logique, Mercedes s'adjuge aussi la première place du classement des constructeurs devant Ferrari, désormais deuxième. La hiérarchie de la F1 est donc totalement bousculée, au moins jusqu'au Grand Prix de Hongrie dimanche prochain.